Allez, bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour le 47e épisode de mon Let's Play sur le jeu Mountain Blade Warband saison 2. Et on arrive bientôt à la fin, Cette fois-ci, il faut que je récupère pas mal d'unités et aussi que je me batte pas mal aussi pour augmenter ma renommée et ainsi augmenter mon maximum de ma compagnie. Là, je suis à 95, il faudrait que je le monte à 100 et on aura gagné, enfin, et je fasse une troupe de 100 bien sûr, et on aura gagné ce let's play. Alors, mais pour ça, il faut quand même pas mal de choses. Il me faut que je m'entraîne. C'est ça, tout simplement, il suffit que j'aille. Voilà. Coucou. Voilà, d'accord. Par exemple, les 36. Est-ce que je suis capable de les faire? Je suis censé être capable de les faire, et là, ça va me faire énormément de renommée. Ah mais il y a 31 avec les poteaux. Du coup la renommée, elle est plus faible. Alors, je fournis combien d'unités? 8. Bon attendez, peut-être que on peut charger, voilà. Alors attendez, excusez-moi. Voilà, je suis de retour, tout simplement j'avais... peur que la fenêtre ouverte de ma chambre s'entende. Du coup voilà, je suis allé juste la fermer. Voilà, par contre ils sont un peu nombreux quand même. Et mon cheval prend cher. Aïe. Voilà. C'est censé être des bandits, hein, je peux les faire. Je suis même censé pouvoir me les faire tout seul, les 36. Vu la puissance que je possède. Voilà. Bon, arrêtez de parer aussi. Ah, j'ai un de mes héros qui a atteint le niveau 7. Ah. Arrêtez de parer avec vos boucliers. C'est de la triche. Voilà. Il reste 2. Et c'est tout bon. Bon, j'ai 2 blessés, vu que comme c'est des héros, ils sont immortels. Voilà. Toc, ça c'est très bien. J'ai plus énormément de nourriture, mais au final, on s'en fiche un peu, étant donné que on est beaucoup moins. Toc, 53 deniers. Ce qu'il faudrait vraiment que je monte, c'est ma renommée. Et c'est pas comme ça que je vais faire remonter ma renommée. Non, pas l'équipement. Compétences. Tu es un mec en mentor. Qu'est-ce que je pourrais t'augmenter? Équitation, comme ça tu pourrais mettre des montures de niveau 3, ça serait cool. On est bien. On est bien, on est bien. Allez, on va recruter des gens, on va se tataner. Ils sont combien? Ils sont 10? Voilà. 9 contre 10. C'est peinard. Ça va le faire. Alors. Où est-ce qu'ils sont? Ah, là. Bon, d'accord. Ça fait 2 fois que je me plante. 3 fois. J'ai vraiment une bouse. Voilà. Je déteste qu'on me lance des trucs dessus.
raté. Il en reste ? Plus pour longtemps, il semblerait. Voilà. Allez, c'est bon. Donc une perte, on va pas recruter des fermiers, c'est un peu nul. Tac, tout ça, on pourra le vendre. Pas beaucoup, mais on pourra le vendre. 47, ça fait déjà plus de monde. Mais je suis pas sûr qu'on est capable. Ah, plus 4. Ah ouais, 47. 47, c'est un peu qui tout double. Bon, allez, on va essayer. On va essayer. Bon, par contre, vous tenez la position parce que là, ça va être chaud. Voilà, une renommée associée de 12. Ce qui est très très bien. Mais c'est juste parce qu'en fait, voilà. Ils sont énormément et pas nous. Ah ouais, ça fait quand même un peu peur. 42 unités qui vous foncent dessus. Ah ouais, ça va commencer à voler. J'aime pas les trucs qui me balancent parce qu'encore les flèches, ça me fait pas beaucoup de dégâts, mais ça, ça fait des dégâts quoi. Ah! Merde! J'en ai tué 5 déjà. Faudrait que je les descende à une vingtaine. Arrêtez de parer. Pff. Voilà, attaquez-moi. Mettez-vous à découvert au niveau de votre garde. Ça sera quand même plus simple. J'arrête pas de leur rouler dessus, ça leur fait pas de dégâts, c'est très très casse-pied. Oh la vache! Voilà! Mais arrêtez de parer! Ouh que ça m'énerve, ouh que ça m'énerve, je vais finir par les envoyer. Bon allez hop, charger. Non mais te fous pas au milieu, mais... Quel abruti, tu me bloques. Putain. Vraiment des abrutis, quoi. Bon, ça va, les 47 commencent à être bien réduits. Non, par contre, là, le cheval au beau milieu, c'est... C'est pas sympa quoi. Voilà. Ça change de niveau, c'est très bien. Thank you.
Voilà. Bon, désolé si je parle pas beaucoup, mais là c'est un peu casse-pied en fait ça. Il y a beaucoup de monde. Et ils sont très casse-pieds à se mettre en parade tout le temps, ou se mettre sous les roues de mon cheval, sachant qu'un cheval ça n'a pas de roue. Et du coup, ne pas se prendre de dégâts alors qu'ils devraient être écrasés des tripes à l'air. C'est que je trouve assez conceptuel aussi. Parce que bon, un cheval vous passe dessus, comment dire, vous n'êtes pas bien en point derrière. Hein. Ah, il y a 10 blessés. Ah d'accord, j'étais tout seul quoi. Tac. Les places. Alors, les soldats sont prêts à être promus. Voilà. Alors Catherine. Ah ouais, en organisation d'inventaire, t'es folle toi. Hein. Chirurgie, premier secours. C'est cool ça. Toc toc. Tu vas être notre soigneuse. Laisse-moi voir ton équipement. Je peux pas te le mettre. Un truc à la tête. Voilà, je te mets une belle armure cerclée. Au moins t'es bien. Peut-être te mettre des meilleures armes aussi. Qu'est-ce que je peux te mettre? Ça, c'est la question. Qu'est-ce que je lui mets? Bon. Peut-être lui acheter une arme plus tard. Parce que là, il y a des gros trucs qui font bobo. Mais c'est pas forcément les trucs les meilleurs. Cléty. Alors, Cléty la tarée. Qui n'est pas très utile sur certaines compétences, donc voilà. Ok. Faut que j'aille à une grande ville vendre plein de trucs. On va aller à Jelkala. 29. 6. Ouais, bon. YOLO 40. Eh, merde. 9 contre 40. Bon, au moins ça fait de la renommée. Mais 9 contre 40, ça commence à faire beaucoup. Donc je file à Jelkala après. En plus il a accidenté le terrain quoi. Bon, ça va pas être pratique. Ça va pas être pratique du tout. Ah, vous voilà. Oh. J'ai envie de descendre de cheval et tout défoncer à coups de main, mais c'est un peu risqué quand même. Faudrait que je les fasse descendre au fur et à mesure. Voilà. Pour éviter ce genre de problème, parce que là je comprends pas pourquoi il s'est arrêté comme ça. Il fait personne devant, rien du tout. Bon allez, on va faire descendre tout doucement. Mais cheval de merde, pas capable de remonter une pente. Attendez, attendez, attendez. Il y a des gens qui ont été assommés alors qu'ils sont pas descendus. Oh, oui, par contre j'ai plus de cheval. Ah si, il y a quand même des gens qui sont descendus, mais ils se font assommer. Il y a 3 Pékins en bas, et ils se font assommer quoi. Non mais c'est grave quoi. Touché, ça lui fait 4 points de dégâts, c'est ridicule.
Ça le touche même pas. Bah, tire à la tête quand même. D'accord, le prochain coup que mon cheval se prend, bah je tombe. Voilà, évidemment, et je suis tombé au beau milieu de tout le monde. Laissez-moi tranquille! Et oh! Vous arrivez en mode ninja comme ça? Fou. Oh, chaud, 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 chaud. Allez, chargé. J'ai genre plus de vie. Ils sont 5, on en a 2 en prêt. Non, attendez. Non, ça c'est moi. Il y a 2 adversaires en face. Mais. Vous savez pas bouger, quoi. Oh la vache. Quelle horreur. Je me suis fait très très bobo. Renommée augmentée de 8. Seulement de 8, il y avait écrit 12. 444 deniers, il faut que je file. Toc, des lanciers entraînés. Ah oui, c'est vrai que je peux monter de niveau. Il faut que je monte le charisme pour augmenter le sens du commandement. Évidemment, il va falloir plus de points que ça. Voilà, je crois que c'est un truc genre un tiers. Un tiers ou un quart du charisme, donc il faut encore que je monte. Et c'est très embêtant. Équitation, faudrait peut-être que je monte équitation, histoire de me trouver des meilleures unités à cheval. Tactique, il y a quelqu'un en tactique, je crois. Faudrait que je monte l'équitation. Place du marché. Non. Oh merde. Voilà, évidemment, je suis exsangue et il faut que je tombe dans une embuscade. Voilà. Là, j'ai un peu les boules. Alors, on va vendre tout ça, tous ces trucs. Ok, équitation 3, quoi. On va voir s'il n'y a pas des meilleurs chevaux. Ok, 500 et des patates, c'est bien. Des chevaux, cheval de bataille. Cheval de taille lourde. Oh, 36 en charge. Armure 61. Ouais, c'est quand même des sacrés trucs, ça. C'est quand même des sacrés trucs. Après, ça va pas super vite. Là, c'est déjà un peu mieux. Toc, on va prendre ça, c'est pas mal. C'est une bonne affaire, je pense. Ah, attendez, visiter la taverne, escapade à un rançonneur. Ah, il y a Artiméner. C'est mon... Comment ça s'appelle? Mon ingénieur, voilà, ça y est, mon ingénieur est de retour. Donc on est bon. Allez, maintenant il faut juste que j'aille récupérer quelques unités. Ah non, mais là... Si je me fais 30 unités adverses de notre armée, ça va pas le faire. Ça fait 1 minute, mais comme j'ai fait une légère coupure, je continue un petit peu. Allez, du côté de Chélez. Personne veut me rejoindre. Vous êtes nul. Allez, Jamiche.
Stock 7 tomes, c'est très bien. On peut monter à 96. Allez, plus que 4. Plus que 4. Donc là, soit je monte de niveau et j'arrive à choper un autre point de commandement. Soit je refais les mêmes bastons et c'est plutôt pas mal en fait. Là, ce qu'il faudrait, c'est choper le château de Weya et le château de Carafe. Une fois qu'on aura les deux, il ne restera plus qu'à choper le reste. Ouais, enfin, ils ont encore quatre grandes villes, le sultanat des Saranides, ce qui est quand même vachement long, je pense, à récupérer. Alors, du côté de Saren. D'accord. Sarimiche. Et merde. contre 51, je vais avoir un peu de mal. Oups. Oups, oups, oups. Aïe, aïe, aïe. Eh ben, il faut laisser 3 soldats. Bon, bah ça va. Le groupe fait 20 en morale. Oui, d'accord. J'ai laissé que 3 soldats, donc. Attends, on va monter lui. Oui, d'accord. Je sais, mais là, avec une réputation de lâche, bon. 51 contre 16, je. Voilà, c'est une réputation de lâche, mais bon, assumé. Voilà. Pagundour. En train de piller encore? D'accord. C'est toujours Clécy qui fout la merde, mais le problème c'est qu'elle est sympa. Enfin, elle est sympa. Elle est quand même assez forte. Oui, je sais, Pagundour a été pillé. Ce qui m'embête. Mais bon. On va aller à Veluca et on va attendre là. Voilà. On va attendre ici pour le prochain épisode où on va encore recruter des unités, essayer de pas se faire attaquer un peu de tous les côtés, monter la renommée, monter l'expérience, et puis c'est très très bien comme ça. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé, à me suivre sur Twitter, à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné. Quant à moi, je vous dis à dans 3 jours pour la suite de cette aventure. Allez, salut tout le monde!